Étudiant trompettiste, bonjour. Maintenant, nous allons parler des trilles. Le trille est un battement entre deux notes d'un intervalle soit d'un demi-ton, soit d'un ton. Voici par exemple un trille sur un fa dièse avec un sol. Un trille de demi-ton. Un trille d'un ton sur un fa dièse se ferait donc avec fa dièse et sol dièse. C'est un bon exercice pour le contrôle du souffle, souffler tout droit. Veillez à entendre les deux notes de manière égale, pas qu'il y en ait une qui soit plus forte qu'une autre. Et enfoncez bien et relevez bien rapidement les pistons. C'est un bon exercice également pour les doigts. Alors, je vous invite à prendre une note et à faire un tri d'un demi-ton au-dessus. On va commencer avec le do grave. C'est l'un des plus difficiles parce qu'on va passer de la position ouverte sans piston à tout d'un coup les trois pistons enfoncés. Et vous savez que les trois pistons font conduire l'air dans les trois coulisses. Donc, ça rallonge tout d'un coup beaucoup la longueur du tuyau mis en vibration. Donc, un tri sur Do avec Do dièse ou Do Ré bémol, c'est pareil. À partir du Do dièse, ça fera Do dièse Ré. On continue. À partir du Ré, ça fera Ré Mi bémol. À partir du Mi bémol, ça fera Mi bémol Mi. Une facilité de doigté est la suivante. Faire le Mi avec le troisième doigt. C'est beaucoup plus facile que de faire le Mi comme ça dans la rapidité. Donc, tri d'un demi-ton à partir du Mi bémol. À partir du Mi. Travaillez cela sur toutes les notes que vous pouvez jouer. Maintenant, passons au tri d'un ton. Donc, ça fera Do et Ré. Il n'était pas très bien, il faut encore l'affiner. Do dièse, ça fera Do dièse, Ré dièse. Ré avec Mi, en choisissant le Mi avec le troisième doigt. Troisième piston enfoncé. Et continuez cet exercice. Vous verrez, en le pratiquant régulièrement, vous arriverez à un jeu quasi parfait. Il y a des trilles assez difficiles, le tri Do Ré, le tri Fa Sol, Sol La dans l'aigu. Sont assez difficiles, mais avec l'exercice, on y arrive. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.